Le tissu blanc qui le revêtait enfin découvert, voici la statue de bronze immortalisant le réalisateur ivoirien Fadiga Kramoulansiné, premier étalon du Yenenga ivoirien au FESPACO avec Djeli en 1981. Fadiga Kramoulansiné désormais intégré dans cette colonne des étalons du cinéma africain à la place des cinéastes en plein centre-ville de Ouagadougou. Vous faites un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yenenga avec deux autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place des cinéastes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un sentiment de joie et surtout de gratitude aussi à tous ceux qui m'ont aidé d'abord à faire le film, maintenant qu'ils ne sont plus là. Fierté pour la reconnaissance, surtout celle des pionniers. Timothée Bassori, doyen du 7e art africain, est le premier satisfait. C'était un grand jour pour nous parce que la Côte d'Ivoire est à l'honneur, l'invité d'honneur. Et il y a Fadiga qui va avoir sa statue dans le stade. Donc pour nous, c'est un grand plaisir et nous sommes contents.